Ah oui. RTL est-elle définitivement devenue les Raymond Poulidaire des audiences? Alors, je le dis et je le répète, RTL, je les aime. J'aime RTL et c'est grâce à eux si j'ai pu faire cette petite carrière que j'ai aujourd'hui, parce que c'est RTL qui m'a fait confiance en premier. Et je vous le dis, quand je vois RTL, deuxième radio de France, oui, ça fait mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça m'irrisse le poil. Oui, les chéris, c'est très dur. RTL est devancé par France Inter sur tous les indicateurs. France Inter est première radio de France, une radio que je n'ai jamais écoutée de ma vie. Oui, et pourtant, ils sont premiers, vrai. Comme quoi je ne suis pas représentatif. Moi, vous le savez, j'écoute M Radio, puisque c'est la première radio en durée d'écoute musicale. C'est incroyable. Et c'est vrai, merci. Et j'écoute bien sûr Skyrock avec mon Diffoul d'amour, qui est le seul à cartonner encore. Bravo, mon Diffoul, chéri. RFM, jamais, là, ça va. RFM, une radio, bien sûr, qui existe. Les chéris, regardez, il y a eu les audiences aujourd'hui. Regardez, petit récap. Et après, Isabelle, vous allez devoir dire quelque chose, sinon on démarre après. Les radios sont tombées ce matin, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes pour tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Sur un an, le média radio dans sa globalité a perdu près de 2 millions d'auditeurs en moyenne. Une baisse qui ne se répercute pas de la même manière sur toutes les stations. Mais tout va bien. En tête de course, on retrouve bien entendu les radios généralistes. Et la grande gagnante de cette vague a du rouge dans son logo et s'appelle... La meilleure RTL. Non, Isa, c'est France Inter. Une nouvelle fois, c'est la radio publique qui remporte ce match des audiences et s'impose avec 14,7% de part d'audience comme leader incontestable. C'était un moment de grâce. Voilà. RTL se retrouve quant à elle en seconde position du classement et perd presque un point sur un an en audience cumulée. On s'est dit qu'on avait touché le fond, mais en fait non. On retrouve ensuite France Bleu, RMC et en queue de peloton Europe 1 qui, avec une part d'audience de 3,9%, continue sa douloureuse chute. On atteint les limites du ridicule. Du côté des musicales, malgré une lourde baisse, Energy reste leader avec 5,6%, suivi par Skyrock. Skyrock, c'est validé. Si RTL reste une radio qui se porte bien, avec ses derniers sondages, elle semble avoir perdu pour de bon sa place historique de première radio de France. Ça marche moins bien qu'avant. Alors RTL est-elle définitivement devenue le Raymond Poulidor des audiences? Bon, pour parler un petit peu sérieusement, Laurent Ruquier cartonne toujours l'après-midi, loin devant, en tête, Julien Courbet. Bon, mon ami aussi qui cartonne. Voilà, je le dis franchement, oui. Julien cartonne. Il n'y a rien à dire. Voilà, Julien et Laurent cartonnent. Voilà. Après, France, RTL, ça reste des bons chiffres. Ils sont malheureusement, et je le dis malheureusement parce que je veux qu'RTL redevienne première radio de France. Ils sont malheureusement deuxième. Et je voudrais dire Europe 1, vous allez voir, ça va remonter parce que j'aime aussi cette radio Europe 1 qui m'a donné ma chance et qui sont des gens formidables là-bas. Il y a longtemps qu'ils doivent remonter. Il y a plein de gens formidables. Ça va finir par remonter, vous savez. Je vais vous dire, c'est comme quand vous jetez un truc dans l'eau. Un moment, un moment, tu vas voir que ça remonte. Non, mais, et je serai toujours derrière Europe 1 parce que c'est des gens formidables. Absolument. En tout cas. Et je peux vous dire, ils m'ont souvent aidé. Donc voilà, bravo. Isabelle, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez avouer que RTL est deuxième radio de France, s'il vous plaît, il faut le dire un mot. Allez, Isa. Non, mais ils ne vous en voudront sans, pas, c'est juste... Sans pleurer. Mais oui, c'est juste... C'est comme ça. C'est des chiffres. Hein. C'est la vérité, Isa. Vous voulez parler de votre pantalon, plutôt? Non, 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 vous n'emmerdez pas, ma chérie. Non, alors, mais vous m'avez écouté. Alors, Bourville. Je suis comme Régis Ravanas et Nicolas Taverneau, totalement Régis confiant Ravanas, et optimiste. C'est le président d'RTL. Et Jacques Isnoul, le patron de l'info, et Nicolas Taverneau, c'est le président de tout. Totalement confiant. Oui, mais est-ce que vous êtes... Ben oui, parce que la conjoncture... Non, mais vous êtes combien? Faut le dire. À être confiant, tous. Non, vous êtes combien? C'est qui la première radio de France? La première radio de France sur beaucoup de... Non, c'est qui? Allez, Isa. Isa, dites-le. C'est, oui. C'est fair play. Mais oui. Allez, comment on pense? Si vous me laissez dire... Moi, je vais vous dire. La première chaîne de France, et ça m'écorche le cul de le dire, c'est TF1. Voilà. Et si vous me laissez dire que nous, on a gagné dans Laissez-vous tenter 38 000 auditeurs encore... Bah, vous venez de le dire. Bah, alors, voilà. Quelle est la première radio? Je vais faire comme Bernard et comme Tiffany, il n'y a pas de raison. Quelle est la première radio de France? Et alors, en ce moment, oui. C'est qui? C'est allez, Isa. Mais ça me fait pas plaisir, chérie. Je pense que... Mais c'est pas l'avouer, c'est le dire tout bêtement. Bah voilà. C'est bah, oui, en ce moment, France Inter, actualité oblige, et première radio de France. Bravo ouais. Bravo, Isa. Bravo, deux ans France Inter, et bien première radio de France. Et je suis pas comme un ouf non plus, hein, tu sais, Isa. Je vais rajouter un truc, chef. Oui.
puisque je peux Nagui est en hausse. Moi, j'écoute. Voilà, il y a Nagui, je suis content pour lui. Et Antoine de Caunes. C'est ce que j'allais dire, moi. Surtout Antoine de Caunes. Et Sonia De Villers, elle progresse. Tout le monde progresse. Voilà, tout le monde progresse. Et ça, je trouve ça moche. C'est qu'alors qu'on a une info sur le virus absolument remarquable, et ben les gens ils pensent que le service public est plus fiable pour ça. Ah oui. Et France Info est totalement à tort. Je dis pas qu'ils font du mauvais boulot, je dis qu'ils font pas un boulot meilleur que nous, et que ça, pour le coup, les gens le voient moins. Ah oui, oui, madame. Non, mais il y a plein de trucs à dire sur ces chiffres. La première, c'est que d'abord, le déclaratif, ça fonctionne pas. C'est du bidon. C'est trop technique. Alors quand même, moi, je pense que les chaînes musicales, c'est mort. Ça va être très dur. Je pense que les jeunes n'écoutent plus la radio. Nous, on écoutait la radio. On est de cette génération-là. Je ne pense pas que c'est mort. À part Difool qui s'en sort. Il y a Difool qui s'en sort bien. Ouais, mais globalement, je vous assure, les jeunes, les ados aujourd'hui, moi, j'ai trois ados à la maison. Il n'y en a aucun qui écoute la radio. C'est très, très rare. Ouais, ouais. Ils ont une consommation quand même absolument différente. Ensuite, les gens vieillissent et les gens écoutent de moins en moins la radio. Ça, j'en suis sûre aussi. Et donc voilà, et je pense que c'est très compliqué pour la radio. Il va falloir se réinventer. Mais il y a encore des choses à faire. Merci, s'il vous plaît. Mais je parle pour tout. C'est ce qu'on s'était dit quand on s'échange en texto. On se dit que la radio va mal, les musicales vont mal. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un contexte de Covid. Les gens font beaucoup de télétravail. Exactement. Est-ce que toi aussi, tu as envie d'écouter? Exactement. Alors, ce que dit Raymond, et je le dis aux téléspectateurs, les chiffres radio en ce moment, ils sont extrêmement biaisés. Puisque la radio, on l'écoute le plus souvent dans la voiture. Forcément, quand on est ou en télétravail ou qu'on est en couvre-feu, on écoute beaucoup moins la radio. Donc forcément, c'est plus compliqué, surtout pour les radios musicales, qui sont des radios destinées à un public plus jeune. Donc les jeunes, eh ben, ils écoutent moins la radio parce qu'ils sont chez eux. Et les plus âgés, à la limite, ils écoutent aussi souvent la radio chez eux. Les plus âgés écoutent encore la radio à la maison. Donc, ce qui est un petit peu gênant avec ces chiffres, c'est tout ce qui se passe actuellement parce qu'ils sont un petit peu biaisés. C'est vrai qu'énergie dévisse totalement. Et à mon avis, ils vont remonter quand on aura repris une activité normale. Oui. Et il peut y avoir une saturation de l'info à un moment donné. Hein. Oui, et vous qui aimez bien les enquêtes, vous ne trouvez pas ça bizarre que quand même France Inter était aussi la première radio de France quand il y a eu 3 mois de grève? Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est vrai que c'est très bizarre. Excusez-moi, il y a eu 3 mois de grève, c'est vrai. Et France Inter était première radio de France, ça c'est incroyable. Pardon. Je vais vous dire, est-ce qu'il y a un problème? Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe, les audiences radio. C'est très simple. Donc, il y a plusieurs sites qui sont dédiés aux audiences radio, où ce sont des gens qui sont dans une salle et qui ont un téléphone et qui vont appeler des personnes au hasard, sélectionnées au hasard, pour leur dire qu'est-ce que vous avez écouté. Alors oui, bonjour, qu'est-ce que vous avez écouté hier entre 8h et 10h? Je sais pas moi, RTL. Ah bon, RTL, d'accord. Voilà. Après, vous avez écouté quoi entre 10h et midi? Et là, le mec, il regarde, il fait, je sais pas, j'ai vu le ciel, Skyrock. C'est bien de dire. Et je peux vous dire que ça, à mon avis, c'est un bordel, les chiens. Oui, oui. Alors, je vais demander à Nicolas Pernikoff. Nicolas Pernikoff, qui était un des gros tauliers d'énergie aussi. Mmh. On a tendance à l'oublier. Nicolas Pernikoff, des années et des années chez énergie. La Panthère, c'était lui. La Panthère. Nicolas Pernikoff. En fait, ils appellent les gens et ils leur demandent ce que vous écoutiez hier comme radio de 5h à 24h. Ouais. Ce qui est compliqué parce que vous passez dans la rue, puisqu'à l'époque, nous, avec énergie, on était très présents puisqu'on était la radio des concerts. Donc, vous étiez exposé à des logos énergie. Partout. Dès qu'il y avait ce genre d'enquête, les gens ils répondaient énergie, parce que vous voyez énergie partout. Maintenant, il y a deux choses importantes, effectivement, c'est ce que vous avez dit. Il y a le nombre d'auditeurs en moins en un an qui est colossal. Ce sont 2 millions d'auditeurs en moins. On est quasiment à l'an 2000, c'est-à-dire au niveau de l'an 2000. Après, il y a autre chose, c'est qu'effectivement, on est dans une population, ce que vous disiez, Géraldine, vieillissante. Et aujourd'hui, les moins de 25 ans, je suis désolé, ils sont sur les plateformes, sur le streaming, podcast. Mais ils sont podcast. Ils sont pas là. Alors, podcast, on peut en parler. C'est la radio. France Inter a été un des premiers à l'époque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mathieu Gallet, il a été un des premiers à créer cette plateforme de podcast. Mathieu Gallet, qui est très sympa. Alors, exactement. Et il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a cette nouvelle génération qui écoute des podcasts dans les métros, dans les RER, quand ils voyagent. Ils ont été les premiers là-dessus. Maintenant, est-ce que la radio musicale va remonter? Je me pose des questions. Pour la musicale, c'est très dur parce que ce qu'il vient de dire, c'est très juste. Il y a les podcasts. Il ne faut pas oublier que maintenant, les voitures sont de plus en plus connectées. Et tu as ta playlist. On met tous nos playlists dans nos voitures. Avant, on attendait 3 heures pour avoir Michael Jackson. Tu veux Michael Jackson? C'est vrai qu'à l'époque, je vous le dis,
ce gars-là, il attendait, c'est-à-dire que... Mais c'est vrai, quoi. Je te jure. Mais il fallait remonter tout le monde, il fallait dire ça. Parce que s'il si n'écoutait pas maintenant, il n'écoutera jamais. C'est vrai. Maintenant, sans rigoler, moi j'attends plus Kenji, bien entendu. J'ai, voilà, voilà, je l'ai. Je suis sur Spotify et vas-y, que j'ai Kenji derrière, à tout va. Il chante derrière. Bien entendu, il chante derrière, il a raison. Moi maintenant, Kenji, avant il chantait sur Spotify, maintenant c'est tellement un pinko, je l'ai mis à l'arrière de la voiture, il est tout seul avec sa guitare. Sur la banquette. Oui. Moi, il y a un truc qui m'exaspère un peu avec les audiences radio, c'est que quand on lit les communiqués des stations, on a l'impression que tout le monde a gagné. Qu'il manque d'honnêteté. Toutes les radios disent on est première radio sur tel indicateur et c'est très dur pour les gens de s'y retrouver. Et sur les méthodes de mesure, je suis d'accord avec Nicolas, c'est archaïque et c'est très dur parce qu'il faut savoir que c'est ça qui régit toute l'économie des radios. C'est alors, un peu dur. J'ai une petite info sur les audiences, c'est que Médiamétrie est en train de mettre en place un système hors sol, c'est-à-dire d'équiper les ceintures, les montres et tout pour tester, pour faire comme pour la télé. Ils le font avec la télé déjà. Je suis en train. Merci. Bah, écoutez, en tout cas. La mauvaise nouvelle, c'est que RTL est au port. Deuxième radio de France est plus que jamais. Et ça, ça fait mal au cucu. Mais on se porte bien. Si, ça fait mal au cucu. Financièrement, on se porte ça très bien. Ça fait mal au cucu, oui.